Bonsoir, bonjour tout le monde. C'est Jean-Aubert Philippe Capsal et nous depuis Capitale fédérale américaine en Washington DC. Jeudi, c'est vendredi 28 juin 2024, dernier jour de la semaine, dernier vendredi dans le mois. Merci de passer toute semaine là avec nous et tout le mois à tout. Et nous espérons plus nous encore semaine prochaine dans mes nouvelles. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité, l'administration Biden a renouvelé et redésigné Haïti pour programme et statut de protection temporaire TPS pour 18 mois. Immigrants qui qualifient ont gagné 60 jours pour appliquer à partir du 1er juillet 2024. Opinion électorale département après débat élection présidentielle américaine entre candidat parti démocrate Joe Biden et candidat parti républicain Donald Trump. Et puis, Palestiniens ont lagué dans courri après soldats israéliens ont bombardé un camp dans le territoire Gaza. C'est quelques points à développer pour aujourd'hui dans le journal là. Nouvelle là, c'est décision administration américaine prend jeudi vendredi 28 juin 2024 là pour lui et redésigner Haïti pour programme temporaire et par statut protection temporaire TPS et en même temps tout et redésigner Haïti pour programme pour même programme ça. Alors tout le monde qui était dans le pays jusqu'au 3 juin 2024, nous prenons un avocat, c'est maître Frédéric Denis Junior qui est un ami qui était à parler avec Lucien Chienville sur dossier là. C'est une décision qui l'a guéguoqué content dans la communauté haïtienne ici aux États-Unis. Qui sa décision ça y est, qui sa ligue la donne, qui moun qui éligible, jusqu'à qui date pour trouver sur territoire américain pour capable éligible. C'est un ensemble de questions que nous prenons avec M. Frédéric Denis Julien, lycée avocat immigration. Ça veut dire que les gens qui ont un TPS déjà, ils peuvent permettre de renouveler le TPS. Et les gens qui ont un TPS, pourvu que vous êtes aux États-Unis le 3 juin 2024, là, ou capable d'appliquer pour TPS pour la première fois. Il y a des critères de disqualification, nous toujours parlé de yo. Par exemple, il faut ou pas gain yon condamnation pour yon felonie et faut ou pas gain yon condamnation pour misdemeanor et deux condamnations pour misdemeanor, OK? Ça veut dire yon crime ou bien deux délits, faut pas gain de ça yo. Ensuite, il faut ou pas té et gain l'autre critère d'éligibilité et d'inéligibilité, par exemple moun qui t'ai fait asile que juge là t'ai jugé frivole moun sa tout yo pas capable. Donc faut être là physiquement le 3 juin et du 3 juin au 1er juillet faut ou t'ai continuer dans pays là physiquement et jusqu'à ce que ou voye application aller. Maintenant, il y a une question qui qu'on poser et ou bon moun qui t'ai là le 3 juin et puis le 6 juin li déplacé ou bien le 15 20 juin li déplacé. Et puis, mon Dieu, qu'on a demandé nous, est-ce que mon ça, si le coup est tourné là, est-ce que le cas appliqué pour TPS? Dépendamment de cas, oui, il y a cas appliqué, parce que nous avons plusieurs cas déjà de monde qui ont part là, qui était là dans la date d'éligibilité, qui déplacé leur annonce là, mais qui courent venir, et mon ça, il y a qu'on éligible. Et pour cela, on a besoin d'avocats compétents qui ont aidé. TPS là, va le courir de 4 août 2024 à 3 février 2026. Maintenant, il y a deux catégories. Les gens qui renouvellent les TPS, ils ont gagné 60 jours pour renouveler. 60 jours pour renouveler, vous l'avez dit, ils ont gagné du 1er juillet au 30 août 2024 pour renouveler. Les gens qui ont appliqué pour la première fois, ils ont gagné du 1er juillet au 3 février 2026. 1er juillet 2024 au 3 février 2026 pour faire application. Maître Frédéric Denis Julien m'a dit tout intéressé pour commencer à préparer documents puisque d'ici lundi 1er juillet qu'a venir là ou capable commencer vos applications. Depuis Miami l'État Floride. Lucien Saint-Ville pour voir créole. Merci et Lucien Saint-Ville alors sous pour te brancher sous nouvelle ça c'est redésignation Haïti pour TPS programme et statut protection temporaire et puis tout et extension pour haïtien tout qui dans pays jusqu'au 3 juin il est capable d'appliquer pour programme si là en agence de la lumière pour plus précision.
Secrétaire de sécurité nationale États-Unis Alejandro Mayorkas annoncé jeudi vendredi 28 juin une extension et redésignation statut protégé temporaire TPS pour Haïti. Extension c'est pour 18 mois, sorti depuis 4 août 2024 pour arriver 3 février 2026. Mallorca cité comme raison pour extension situation extraordinaire et provisoire qui existait en Haïti. Gouvernement publié annonce là sur réseau officiel qui relève The Federal Register. Côté au bas information sur qui j'en pour inscrire pour TPS en tant que nouveau abonné ou bien un bénéficiaire actuel d'après extension et redésignation. Haitian Bridge Alliance, une organisation non gouvernementale qui gagne base dans San Diego, Californie, et qui travaille pour aider migrants qui cherchent entrée aux États-Unis, bat bravo pour décision administration Biden. Dans une note pour la presse, yo voye by VOA, Haitian Bridge Alliance dit décision ça by des milliers haïtiens qui cherchent refuge aux États-Unis, un gros soulagement que yo besoin en pile et puis stabilité. Nous remercier partenaire nous militants yo, membres congrès ak l'autre responsable élu qui gain impact sur membres communauté noir qui demandé administration à adopter mesure essentielle ça. Directrice Haitian Bridge Alliance, Gerline Joseph, fait remarquer migrants haïtiens qui éligibles pour TPS contribuent à un affaire de 31 milliards de dollars dans l'économie américaine. Gerline Joseph dit bénéficier TPS haïtien yo te contribué 4,4 milliards de dollars dans l'économie États-Unis en 2022. Cependant, Gerline Joseph dit TPS c'est une mesure temporaire. Donc, il lance appel by Congrès pour adopter réformes compréhensives dans loi immigration yo qui t'a créé un chemin pour protéger tout bénéficiaire TPS yo d'une façon qui permanent. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Well, jeudi 27 juin, c'était gros débat, gros causé site aux États-Unis. Il en a parlé de campagne électorale américaine. C'était le premier débat qui était mis face à face. Et ancien président Donald Trump avec président d'exercice là, Joe Biden. C'était le premier débat côté en pile causé de parler. Et il y en a un sujet qui était parlé. C'est tout sujet sur immigration. Nous allons parler de Saint-Louis, depuis Ville New York. Joe Biden et Donald Trump yo chaque te présenté argument par yo bay potentiel électeur yo pour convaincre yo sous raison qui fait que yo ta doué prochain président. Pendant campagne là Donald Trump dit que économie américaine crasé et dans débat qui était fait dans Atlanta que CNN t'a organisé, Donald Trump t'a dit et n'a cité America c'est une nation qui sérieusement échoué. Donald Trump t'a dit Biden t'a fait un mauvais travail. Inflation a touyé pays noir. L'a touyé nous définitivement d'après ça t'a dit. Pendant la campagne, là, Joe Biden, beaucoup de parle, t'a dit qu'il t'a redressé l'économie, ça, que Donald Trump t'a fin crasé qui t'a pour lui, comme héritage. Et pendant le débat qui t'a fait dans Atlanta, Joe Biden t'a dit qu'il y a plus de bagailles qui pour faire dans l'économie. Joe Biden t'a dit que l'administration liant a travaillé pour faire descendre prio à rebot table dans la cuisine, non. Et c'est ça que nous pral faire, c'est qu'on s'en t'a parlé. Sondage qui fait sous opinion publique, là, montré que c'est une course électorale qui serrait avec économie, et puis problème immigration, qui d'intérêt principal pour monde qui pral voter, dans débat, Donald Trump dit que Joe Biden t'est échoué dans protéger américain contre immigrants illégaux qui apprend travail. Donald Trump t'est dit que frontière états-unien c'est côté qui plus dangereux dans monde là, qui considéré comme côté qui plus dangereux n'importe côté dans monde là. Et puis Biden t'est l'ouvri li et assassin ça yo a vinn dans pays noir et puis y a violé et puis tué femme yo, c'est ça il t'est dit. Dans débat, Joe Biden lui-même t'est fait voter yo songer politique séparation famille que administration Trump l'a t'est metté sous pied pour immigrants yo. Joe Biden t'est dit les Trump t'est président, il t'est séparé bébé yo ak maman yo, li te mette yo nan kaloj pour assurer que famille yo te séparé. Sous la guerre en Ukraine, Trump te dit président Rusla Vladimir Poutine pas tab jam envahi Ukraine s'il te président. Trump te dit comme président Eli, li pral résoudre la guerre ça entre Poutine ak président ukrainien Vladimir Zelensky avant même li entrer en fonction le 20 janvier, li pral régler la guerre ça. C'est ça le te dit. Joe Biden répond même pour dire que manque support Trump pour allié américain yo encourager la Russie et menacer pour faire une la guerre puis élargir en Europe. Biden te dit Poutine voulait prendre toute Ukraine, c'est ça il voulait. Laisse ça ou penser libre à suspendre, ou penser libre à suspendre là s'il prend Ukraine.
Qui soit pensé qu'a privé pays Pologne et Biélorussie, Biden te dit. Ça, c'était premier débat présidentiel dans l'histoire pays États-Unis, pendant que ni Trump, ni Biden, pas qu'on gagne nomination officielle comme candidat parti. Yo gagne 75 jours devant eux pour convaincre électeur yo, moun ki pral vote yo, pour choisir yon nan yo comme président avant prochain débat, qui lui-même programmé dans mois septembre prochain. Reportage, c'est là, You, VOA News, Atlanta, adaptation créole, Valerio Saint-Louis pour VOA Créole, New York. Merci Valérie Saint-Louis. Alors, il y a une bagaille qui est dans la culture américaine, dans un grand événement, ça y est. Des fois, on ne pas chita la caillou, puis on suit l'événement dans la télévision. Et parfois, on réunit en famille. Ou bien encore, on réunit en amis. Et des fois, tout y a une place publique, côté que gomble tout le monde chita, et quelque chose attend dans ce temps, chita. Et pour y garder, bien sûr, le débat, et même tout faire commentaire entre eux. C'est question ça même que, Gentil Junior pour regarder avec nous qui j'en s'est passé hier soir. Sorti New York, passé Los Angeles, Michigan à Las Vegas, même passager qui n'a un vol qui sorti Minneapolis pour aller Miami. Plusieurs millions d'Américains t'ap gardé premier débat 2024 là entre président Joe Biden et ancien président Donald Trump. Dans parti pour Trump là, électeur yo suggéré que performance Biden montre li pa approprié pour réélection nan pire fonction nation. Mwen pa vle de respecter moun ki pi grand yo. Mais Biden se ou konnen, li pale en pile. Mais mwen pa pense li en forme pour yon leader. Mwen pense que li vraiment difficile pour n'importe moun ki raisonnable garder ça. Et puis konnen que monsieur Biden pas en forme pour le vin président nous. Moi pense que Donald Trump t'a bien fait à Soya. Li pat fait tête chaud. Li t'a rete posé. Donald Trump, I think he did well tonight. Li t'a yon ti jan kenbe. Moi t'a vle li pi agressif. Mais, ou konnen, li doué sage. L'autre observateur de Bayo t'a déci. Parce que, candidat yo pat répond directement quelques questions. Tant kou, promesse Trump te fait pour déporter plusieurs millions d'immigrants sans papier si yo ta élil. Ancien président Trump pas répond question. Est-ce qu'il pral essayer déporter 13 ou soit 14 millions d'immigrants kap gen là-dedans? Ti moun, mari ou soit madame l'autre moun. Moun ki te ici là depuis 20 ou soit 30 l'année. Moi pense que candidat yo pas répond quelques questions. Malheureusement, gen moun ki réagit tout sous prix la vie a kap augmenté. Biden ak inflation, tout bagay te monté. Prix yo 3-4 fois pi ou passé époque Trump la. Prix gasoline yo 3 ou. Nan yon parti surveillance pour démocrate yo nan Los Angeles, si pote Biden yo te concentré sous problème yo. Au lieu que yo évalué performance yon nan candidat yo. Trump se yon menteur complet. Tout ça li dit, c'est juste yon menti après yon l'autre. Et puis, li pap jam protéger nous comme femme. Li pap pral protéger minorité yo nan tout pays ya. Li pral fè bagay yo pi mal pour nous. Et puis, li pral mette nous nan plus la guerre. Li difficile pour garder pour yon moun ap bay public américain yon menti. Li difficile pour garder. Monsieur Biden vraiment soucié des droits femmes yo. There is no crime. Pas gen aucun vague criminel immigrant cap entrer dans pays ya. Pas gen bagay comme ça. Président Trump, ancien président Trump, utilise mot sa yo seulement pour dénicher yon base qui seulement vle créer yon pays côté moun pa vle wè étranger ak racis. Rete seulement pipiti passé 5 mois avant jou élection yo. Électeur yo pral gagnon l'autre opportunité pour évaluer candidat yo pendant prochain débat qui programmé pour 10 septembre 2024 cap vini là. Doha Makoa, VOA News Washington, adaptation créole, Gentil Augustin Junior, VOA Créole Washington.
Alors, j'en suis dans le prochain débat. Deux candidats, pratiquement, partis respectifs, donc parti démocrate là avec parti républicain, il y a déjà désigné officiellement deux candidats, aussi pas gagné qui passaient, pour représenter une élection 5 novembre 2024 là. Dans l'autre nouvelle, nous parlons au Pérou, côté un gros tremblement de terre qui saccage une zone dans le pays et causé un pile de dégâts matériels, Marius Pierre. La vía de Guanuano está bloqueada por deslizamiento. Un tremblement de terre qui mesurait 7,2 sous quelque côte sud Pérou. Autorité dit pas y'a aucun rapport tout de suite sous victime. Yo. Sondage géologique États-Unis te dit tremblement de terre a été fait à 1:36 matin. Et puis ça a été localisé dans l'océan Pacifique là, à peu près 8 km dans l'ouest district Atiquipa, dans la province Caraveli, tout près frontière avec Chili et avec Bolivie. Centre avertissement tsunami Pacifique là dans Honolulu te dit que n'importe menace tsunami t'est déjà passé. Tremblement de terre souvent passé dans Pérou parce que le pays ça situé dans la ceinture du feu Pacifique là. Marie-Luce Pierre, VOA Creole. Voilà, et dans notre programme de mini-actualité, à Monte Carlo, Palestiniens qui t'a couru caché et les soldats israéliens ont commencé la guerre quelques coups de montier dans une localité, dans un territoire Gaza. Nous parlons ça avec Serge François Michel. Défense civile palestinienne fait qu'on est pour plus petit, 7 monde perdit la vie dans frappio. Monte Carlo la fumé cap monté des building qui dommagé et tendé rel monde dans zone nord qui était dans gros panique. Yon monsieur t'a poté un petit garçon qui ben en sang et gayon l'autre qui t'a filmé li et li dit reporter agence nouvelle Reuters. C'est occupation qui comme ça. C'est occupation qui vise nous, tant que nous kawè. Ou ka seulement gade ti moun yo, yap vise ti moun ici là. Israël accusé militant yo comme quoi yo caché dans mitan civil. Et li di li avait ti moun déplacé yo pour yo bay route pour opérationner contre combattant yo. Porte-parole l'armée Avichai Adrahi t'a posté un message sur X qui dit tout résident ak moun déplacé dans zone Choulaya ak novo quartier pour sécurité nous devons évacuer tout de suite parti aussi de Risala Aldin pour aller dans zone résident dans zone nan ak média Hamas fait qu'on est tant qu'il était déjà roulé entrer avant message l'armée t'a paraître sur réseau X là. Et moun ki soti nan banlieue ki nan l'est t'a couru dans direction l'ouest en bas Koudza pendant Israël bloqué route sud là. Aucun monde bon côté l'armée Israël là pas parlé sur question. Yon témoin décrit situation. Ça qu'a passé peuple noir, c'est pas seulement yon holocauste en masse. Peuple noir qu'on a obligé courir en masse pour yon tourner migrant dans une catégorie moun ki grand goût et qui en bas diffait tank. Comme ça, nous demandons monde là pour lire les en moi pour nous, pour prendre responsabilité devant monde dans Gaza qui en bas calamité et qui pas rien pour manger. Un militant qui te gagne Hamas dans tête, il a envahi partie d'Israël 7 octobre passé. Il a tué environ 1200 monde et saisi plus passé 250 otages d'après bilan Israël Tebay. Pour petit, 37 000 Palestiniens perdu la vie et plus passé 86 429 l'autre blessé. Dans l'offensive militaire Israël dans Gaza prend depuis 7 octobre passé d'après chiffre qui sorti dans le ministère Santé Gaza qui n'a en déclaration qui paraît ailleurs jeudi. Serge François Michel, VOA Créole. Actualité dans le pays d'Haïti, le gouvernement haïtien a organisé deux journées forum sous intégration jeune avec famille dans l'institution publique. Nous parlons Yves Manuel pour plus de détails. Forum deux journées ça sur intégration jeune ak mesdames yo pour enfin dans un hôtel dans Pétionville. Dans finissement forum nan, premier ministre Gary Conille ak divers acteurs dans société civile là météo d'accord sur intégration deux catégories ça yo dans cadre processus transition. Participation jeune ak femme dans processus transition qui en courant, c'est sous thème ça divers citoyens dans société a échangé sur forum deux jours ça qui déroulé dans capitale haïtienne. Activité ça qui c'est une initiative organisation dans société civile
civile visé mobiliser pour éviter 50% dans population pour capable assurer succès transition. Dans discours premier ministre souligné importance jeunes et femmes dans processus transition conscient de défi captain population, il mandé réseau organisation femmes yo avec jeunes à travers pays engagé activement et courir gouvernement. Nous avons une pile pour une bonne représentation de femmes et de jeunes dans le gouvernement. Nous ne pouvons jamais même presque arriver côté moi-même nous t'aimer arriver. Et nous connaissons nous beaucoup plus pour nous faire. Nous avons mesuré le succès au fur et à mesure à l'autre décision que nous prenons dans le gouvernement. Parce que son nécessité pour jeunesse là, avec Famio, représenté dans sa cap fête là. Premier ministre là mettait accent tout sur rôle organisation dans société civile là, li considéré comme gardien valeur démocratique, défenseur droit moun et catalyseur changement social yo. Je salue donc cette initiative des organisations de la société civile qui jouent un rôle déterminant en tant que pont entre le gouvernement et la population, en tant que gardien de nos valeurs démocratiques, voix des sans-voix, défenseur des droits de l'homme et catalyseur du changement social. Conseiller président, M. Frinel Joseph, reconnaît nécessité pour intégrer tout bon vrai jeunes et femmes pour renforcer participation société civile et assurer succès transition. Nous faisons de l'inclusion un maître mot, garantissant ainsi la possibilité à tous les fils et toutes les filles d'Haïti de contribuer d'une façon ou d'une autre à refaire de cette terre un pays où il fait bon de vivre. Tout de suite après forum, le Premier ministre rencontre le secteur privé affaires autour de la situation globale pays. N'a pas souligné, jeudi vendredi, chef gouvernement quitte le pays pour Washington dans le cadre d'un voyage officiel. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Donc force multinationale là qui est dans la tête li pratiquement yo en Haïti depuis quelques jours, donc depuis qu'on y a une pile pression qu'a fait pour que public la vle ou que force a commencé déployer dans différents côtés dans pays etc. Donc une pile pression qu'a fait qu'on y est là, donc jusqu'à présent tout on attend et force qui a son commencement qui vient, son embryon qui là, et au fur et à mesure reste que c'est à Kenya ou bien l'autre et l'autre unité qui sont dans l'autre pays, il y a privé dans le pays, il y a fin côté coûte mais pas tout dans cadre c'est pour aider la police nationale là établir sécurité dans le pays. Nous va joindre Junior Racine depuis ville Saint-Marc sur dossier là. Kidnapping, viol et assassinat, c'est quelques actes criminels n'est exemple à suspendre commettre sur population haïtienne, spécialement dans le département l'Ouest, la Tibonite et divers autres départements, encore depuis plusieurs années, en bas autorité l'État. Pour un pile monde, la police nationale n'est pas capable de bataille avec bandit armé, parce qu'il n'y a pas de gros moyens pour faire face carré avec bandit cap simendeï dans les citoyens. Dans ce sens, jour qui était mardi 25 juin 2024, là, il y a un premier contingent, 400 soldats kenyans, qui sont arrivés dans le pays pour venir aider la police bataille avec n'est exemple qui envahi quatre coins pays, spécialement capitale haïtienne. Vini soldat kenyan yo marqué quatrième gros intervention militaire étranger en Haïti. Si quelques citoyens accueillis vini force là et quoi y a un résultat positif, gen l'autre qui pas quoi a un résultat parce que intervention mission maintien la paix Nations Unies sorti dans l'année 2004 pour arriver 2007, résultat c'est accusation sous viol sexuel, agression à choléra qui la cause. Dit presque 10 000 monde perdu la vie yo. Dans souffrance, ils n'ont pas d'accord tout pour constater qu'ils n'ont pas perdu du temps tout. Parce que nous commençons à danser, nous avons d'accord pour perdre du temps, c'est action qui n'a pas de temps. Parce que la population n'a pas d'attendre encore, et au niveau de la police nationale, si nous mettons CSPN dans l'ensemble de toute composante, bon, c'est que tout simplement c'est attendre, c'est une bouffée d'oxygène de force multinationale là. Et deuxièmement, il y a un impact ou effet psychologique. Hein, qui peut créer une forme de psychose qu'a gangster pour le mettre à la défensive et permettre que la police nationale la marche pour eux et puis le peuple haïtien. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Ce n'est pas la première fois, monsieur, nous connaissons que il y a une force étrangère qui a débarqué dans le pays d'Haïti. Mais bon, seule question pour nous poser, et c'est malheureux, nous, une génération pauvre pour ça, pauvre d'intelligence, pauvre en matière d'intellectuel au niveau de monde qui vit à penser politique.
Monsieur, on regarde dans le 20e siècle là seulement. Combien de temps nous connaissons une force étrangère qui débarquait en Haïti? Qui ça qui portait comme résultat? Si que après toute intervention, pas gagné un qui vient comme résultat, comment je dis à moi le penser avec une nouvelle force qui paraît, et puis je dis à moi pas seulement avec un résultat, sauf miracle. Sauf miracle, tellement c'est des gens qui viennent, ils viennent ensemble avec des missions spécifiques, parce que c'est une situation qui s'est créée, et les gens encore qui s'est créé, ils nous prétendent que c'est eux-mêmes encore une résolution, et pour moi même pas aucune résolution pour parler. Mais malheureusement, c'est une situation comme ça qui nous paraît, et que les gens qui ont mis nous, c'est là où adieu et merci. Premier ministre haïtien mandé population haïtienne pour rester vigilant et confiant, il a reprendre tout territoire Kaipakai, Katsipakati, métropole Bazantibonite Saint-Marc, Junior Racine, la voix de l'Amérique. Vous voyez qu'on est ça qui a passé parmi les états haïtiens, et bien bon, je donne un détail pour nous depuis Miami, Floride. Vendredi qui se passe là, c'est le groupe musical Mood Band qui était à l'affiche dans Sounds of Little Haiti dans Miami. Mood Band, qui c'est un nouveau groupe musical dans HM Island qui a à peine 3 mois d'existence, a fait quelques interprétations et a joué 2-3 musiques qui sont premier album ni. Nous avons pris une réaction, quelques participants après fête là. Bon bagaille, c'est depuis l'été dans Harmonic Menemeni, donc ça fait plus d'une pour la soirée. Est-ce que c'est la première fois dans ce mood? Première fois dans ce mood et puis je vais dans ce mood là, c'est parce que chaque fois que je prends musique, c'est comme si la musique là en mélodie déjà connaît, comme si une mélodie qui est dans ce mood. So yeah, moi je vais. Nous te parlons tout avec Sanders Solon, qui est maestro chanteur, fondateur Mood Band, qui déclarait qu'il est satisfait de première performance jazz là dans Sounds of Little Haiti. Jusqu'à présent, moi satisfait. Parce que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas plaisir là en pile. Ouais, moi-même la regarde. Moi entre en place, ça veut dire que. Même parce que moi-même ma peine joie, moi. Je vais faire travail là, ma peine joie, mon travail là. Et j'espère que moi-même je vais trouver une joie. Et musique, vous sentez qui est sur le public là? J'aime moi applaudir toute musique que je connais. Mais chaque fois, je applaudis, je suis content, je suis content, je suis content. Moi, Carlo vient avec moi, c'est là toujours là, chaque fois, je performe. C'est à chaque fois, même si je suis en pile pour une prestation. Dans finissement soirée, nous te parlons tout avec Sandy d'Orsainville, qui est principal responsable Sounds of Little Haiti, qui croit que Mood bien passé comme nouveau jazz qui jouait première fois dans le programme. Tout le temps, on a dit nous que faut nous inviter nouveau jazz pour nous encourager et industrie musique haïtienne avancer. So, nous sommes trop contents que Mood est là pour nous faire un nouveau son, un nouveau ambiance. Et nos jeunes amis qui viennent Corée tout, c'était une belle soirée. Et prochaine affiche là. Nous pouvons connaître. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, un groupe musical Calebasse Troubadour célébré samedi passé dans Pembo Pines, État Floride, 10e anniversaire dans HM Island. Maestro Sorel Jacques a expliqué nous histoire. Groupe musical Calebasse Troubadour. Le jazz a commencé, son petit troubadour qui a commencé à trois monde. A dit nous commençons à toi, mon après nous aller nous présenter, nous ba une petite performance sur les nous après. Mais nous fait presque majorité de temps dans Diaza, nous fait que nous avons fait et birthday party et dans le backyard, nous avons joué la Kaimoun, etc. Mais en principe, c'est la première fois Diaza, c'est le 10e anniversaire là qui mène Diaza dans un restaurant pour Casa Champette, côté le cas présenté tel comme Diaza, en fait, qui gagne. Toute salle gagnée qui présentait performance ça et nous très satisfaits de performance que nous fait à Souéa là dans et Casa Champagne. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, un groupe musical tout neuf fait prend naissance dans HM Island dans l'État Floride, c'est Vacam Music Band qui fondé par deux chanteurs compas directs. Kenny Demangle alias Kenny Way, ancien chanteur New York All Stars, Axenglin Yombo, Paul Gary Borno, alias Tog Compa, ancien chanteur groupe Zin at Jakout Music, Yon Lolbo. Vacam Music Band, la gay premier musique vidéo sous machéa, qui pote non Vagabond. Pour toute nouvelle, sous vedette yon dans HM Island, non pam, c'est Jules de Ronsré pour Véro Creole, Miami. Et puis rappelez-nous, jeudi à ce vendredi, soit conduit, pas consommer alcool, et sous consommer alcool, pas conduit. Mes amis, passez bon week-end, nawa lundi prochain, Jacqueline Bélizère, collègue moi, bois droit moi, Monsieur Ponti vacances. Quatre lampes.
Mais deuxième tranche, ou dimanche, je vais dire que deuxième groupe et officier kenyan, yo t'a dû débarquer dans le pays d'Haïti, puisque l'été question que y a fait un premier escale États-Unis, et après ça, pour y arriver Haïti, environ 7 à 8 heures. Ça veut dire que Kenya, lui-même, qui est censé avouer tout officier, puisque te dit, là-bas, 1000 officiers, dans la mission multinationale soutien sécurité haïtien, mais c'est que, même 1000 officiers Kenya ont venu tout le monde en Haïti. Là, petit que, gentil, la police, officier l'armée et FADH, mobilisé pour les résultats en un pays et mes débats qui ont bâti en mai. Merci, comment est-ce que mon frère, avant que je vienne avec l'invité. L'invitation, c'est tout un plaisir pour nous rencontrer dans Mita Carrefour, pour nous venir parler vérité à 15 amis, internautes qui branchent tout partout à travers le monde. Mais chaque nouvelle, des infos, pas une nouvelle, votre calbasse info, racine nouvelle Haïti. La situation, bien que vous connaissez, la situation presque pas jamais changé dans le pays d'Haïti, malgré une disposition qui apprend bon côté autorité ou qui dans le pouvoir central, surtout son pouvoir qui paraît tout neuf, qui à peine installé, côté moun yo pas qu'attendre et question insécurité al toujours à valer terrain, si là ou qui dans politique, si là ou qui dans secteur transport et divers secteurs de dans le pays, yo pas suspendre de pouvoir pour demander avec autorité ou prendre responsabilité pour permettre que sécurité retourne dans quatre coins pays pendant, et monsieur dame qui fait partie mission multinationale à prendre dans le pays, bien sûr. Bandi au lancé offensif en ces cas quoi des bouquets et mairie quoi des bouquets passé en bas flamme différent côté des machines qui boulaient c'est zèvre l'amour sans jour qui a contrôlé zone zila qui pas décidé baisser les bras dans département la Tibonite c'est même pareillement bandi a kidnappé monde pour al constituer bouclier humain en dedans la caillou pour empêcher toute opération c'est même gens ou observatoire international pratiquement sorti un rapport pour dire qu'il y a des situations qui extrêmement difficiles pour mounio qui dans capitale pays par rapport avec pression qui a subi en bas mais bandi a examiné qui chez quitter espace pour être capable de constituer bouclier humain en dedans et c'est ça qui paraît comme situation et diverses propositions et rivées faites avec gouvernement même genre gouvernement font paquet à promesses avec population chef gouvernement même dit yo pral récupérer pays à caille en caille quartier en quartier ville en ville pas gain question territoire perdu côté Normile Ramou même il prend responsabilité bon bon parti dans en bas la ville là qui est censé perdu espace ministère de l'intérieur qui était en bas contrôle bandio et bien pendant journée hier des personnes en pile coup de jambe échangé entre la police avec un nec exam bandi vivant ensemble qui permettent pour qu'on y attaque dit que l'état et ticasse y a PC donc prend contrôle yo série d'espace qui gagne administration publique les personnes nous pral discuter nous pral questionner avec invité à qui avec nous comment qu'elle ouais vini mission multinationale qui gagne Kenya qui diriger et sans doute Kenya qui gagne problème la qualité donc ça en pile moun yo a regarder est-ce que y a Kevin changer donner parce que question mission en dedans pays d'Haïti bon bagaille qui j'aime passer qui ont porté résultat pour pas ici en des personnes. Ça m'a pas ajouté avant pour inviter, hein, c'est que n'apprendre que je n'étais jeudi 27 juin, que PM Gaïkouni, M. Chitabalé, avec AIDH, Association Indistribuable des Prenez d'Haïti, pour garder comment que yo capable préal aider gouvernement dans question taxe, dans question ensemble de situation économique financière que PM Gaïkouni est là. Et c'est ça qui t'a parmi et trois de fond dans Chitabalé entre PM Gaïkouni avec ensemble de grands entrepreneurs dans le pays et d'Haïti. Invitez-nous à l'émission Carrefour Vérité matin, c'est je dis avant d'aller bien comme ça, c'est exactement et Sonson Dumé qui c'est une responsable brigade syndicale anti-corruption. Tenez bien, brigade syndicale anti-corruption a PM Koni balé de question corruption zéro et comme syndicat et surtout qui a un travail à faire dans le secteur transport haïtien mais brigade dans le secteur présent mais dans la question de sécurité on est que et c'est un secteur très touché depuis que bandits ont déclenché de mouvements en dans pays même si depuis 2-3-4 l'année mais pendant 29 février bagarre une pire exagéré mais brigade syndicale et anti-corruption les gars ont ensemble de plaidoyer qu'il a fait dans la société pour demander avec autorité débloquer grand permettre que sécurité établie dans le pays et la vie capable de reprendre. Et ça, c'est une parmi un petit message que Sonson Dumé, que pas jamais six points de poté comme syndicaliste. Sonson Dumé, s'il vous plaît, vous avez là, dans l'émission ça. Et merci Blaise Peterson et c'est un plaisir moi-même tout pour moi avec nous dans le cadre de la émission ça. Et mais cette nouvelle, et je pense que je dis à. Et c'est un grand privilège lié pour nous au niveau des brigades syndicales anticorruption pour que nous participions. Et pour nous, bah, disons pas nous, m'a salué le collaborateur qui c'est Désir Vénès. Et je crois que moi réalisé
Et depuis quelques temps, dans l'émission, ça, moi, la font gros travail ensemble avec moi, monsieur. Féliciter nous comme des jeunes qui vraiment embrassent cause pays, dans ce que reste là pour que nous-mêmes nous informer population pour nous, essayer d'aider à comprendre la réalité, ça qui a passé pays à côté que pour ensemble des dirigeants, eux-mêmes, eux, assumer responsabilité par rapport avec la crise que nous avons confronté dans différents secteurs. Merci. Et Soson Dumé, nous connaissons ça qui est actualité, hein, c'est rivé yon Andi, un premier tranchant officier kenyan dans la question mission multinationale, soutien sécurité à Haïti. Hein. On même comme syndicat, alors d'abord comme citoyen, comme syndicaliste, et qui a fait un travail contre la corruption en dedans et la question dans le pays, hein, et qui toujours penché ce problème et sécurité de transport, qui première réaction Soson Dumé? Bon, et justement, nous constatons même déjà avec tout le monde, tout secteur, côté que il y a un premier contingent qui arrive dans le pays, environ 400 policiers kenyans, dans le cadre de mission multinationale qui gagne pour accompagner les forces de l'autre qui gagne en Haïti. Bon, c'est ça, il dit. Et nous-mêmes, nous croyons que je dis assez un bon signe par rapport avec ça qui a passé le pays depuis environ presque 3 à 4 ans, côté que l'État a genou. Et nous connaissons qui quantité de scandales qui fait sous connivence de ces autorités dans le pays avec des groupes armés, côté que ils ont toujours fait complice de toutes actes et que ce soit dans le niveau et population qui a victime tous les jours, qui a perdu zone côté où ils ont habité à chaque fois. Nous connaissons qui différents monde qui soit dans zone Latibonite, qui soit dans zone métropolitaine, là, quantité de zone côté que population ils même ont abandonné. Je dis à là par rapport avec et insatisfaction ou bien incapacité de l'État pour répondre avec responsabilité pour que eux-mêmes yo baille sécurité avec population. Je dis à réalité c'est que yo gagne une force multinationale qui rentre dans le pays pour que yo accompagne. Donc nous connaissons que gagne pile monde et qui dans société a qui pas ouais et vini force ça non bon qui n'est capable de dire non sens et positif par rapport avec souveraineté pays qui vraiment qui tombe en bas pied. Donc, mais je dis à son réalité, côté que l'État montre qu'il est incapable de poser l'ordre, même lorsque nous-mêmes, nous avons toujours fait appel avec l'armée et la police pour que le gouvernement qui était là, et particulièrement le gouvernement Ariel Henry, pour que la police et l'armée, tout moyen nécessaire, mais il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de capacité pour faire face avec ça. Et c'est pour ça qu'il a fait appel avec force multinationale qui pouvait accompagner. Donc, ouais, que, je dis à, c'est toujours, même lorsque on support au niveau international, mais nous croyons que c'est force de l'ordre qui parle pour faire travailler ça. Et si toutefois, il n'y a pas capable, il n'y a pas de matériel, l'État n'a pas de moyens, y compris international, là, pas de facilité pour que force de l'ordre, que ce soit la police ou bien l'armée, pour que j'en aussi des matériels pour faire travailler là. Mais si ces moyens ça utilisé, malgré nous connaissons à partir des missions, ça, il y a des autres missions qui gagnent, des missions non dire, des missions non déclarées, nous connaissons qui gagnent, mais justement, nous croyons que c'est un bon signe. Et moment ça, nous croyons que la population doit faire solidarité avec force de l'ordre nous gagnons dans le pays, hein, qui pour aider ou dénicher tout bandit nous connaît qui prend la population en otage, qui fait que la population pas qu'à vivre comme ça doit. Donc, c'est nous-mêmes, nous prenons acte d'arriver notre ça et force ça dans le pays, hein. Donc, nous-mêmes, nous suivons de près qui action nous va faire. Sauf que nous-mêmes, déjà, nous dénoncer forme encore que l'État haïtien, l'issue avec Kenya, sous base que y a toute immunité. Pour quel que soit Zak yo ta commettre dans pays, quel que soit viol ou bien quel que soit ça yo ta capable venir comme maladie par rapport nous connaît gonse des missions qui connaît porter on sait des maladies dans pays, que yo pas même prend en charge différents dégâts ou bien tort yo fait population. Donc question ça lui même lui vraiment préoccupé nous lorsque nous apprendre que quel que soit action Zak malhonnête que et policier kenyan ça ta commettre dans société sous citoyen haïtien, donc yo pas rien pour répondre de la justice haïtienne. Donc yo jure on sait des immunités, ça nous même nous dénoncer et nous croyons que si on bataille brigade la pral pour le faire dans jour qui vient là, c'est une choix bataille nous côté que question ça nous même nous pour nous dénoncer à chaque fois et lorsque mission ça lui même ou bien différents forces militaires ça ta commettre on sait des actions négatives sur population. Non, nous allons venir sous point ça à taler comme ça, Jean, ou déjà anticipé sous lien. Moi, c'est qu'on va venir sous ça à taler comme ça en détail dans des questions qu'on va poser. Mais, et pour même, et Soson Dumé,
Et il y a qui dit que officier kenyan yo yo pas ta doué même prendre en ta dit temps pour ta accompagner la police, accompagner l'armée d'Haïti pour ta mener des opérations, parce que situation tellement exagérée là, a empiré, c'est que c'est juine jodi après 2-3 jours commencer mettre dans opération. Et est-ce que même ou elle constate tout comme ces Icaris? Bon, nous-mêmes, nous croyons que bon temps pour bail, pour bail force, parce que pas oublier faire faire étude. Même dans tout secteur, là où gain pour ou mener une opération ou bien pour mener une activité quelconque, si son terrain ou bien son espace ou pas habitué avec, bien connaissance des espaces là, des zones, yo, faut faire cartographie zone, yo, pour essayer comprendre bien qui genre réalité qui gagne par rapport à différentes zones. Pas oublier que je dis à même lorsque nous pas qu'on visite pays Kenya, mais nous connaît forme de aménagement territorial nous gagne, c'est ce que n'est pas fait même gens au Kenya. Donc on sait des connaissances pour faire, faut mettre avec le commandement police là et le état major l'armée pour que yo chita pour définir un plan comment yo pral essayer alors non seulement définir ou bien élaborer un plan comment yo pral chita pour yo mener une série d'opérations qui pour des opérations qui pour porter des résultats. C'est pas même gens où tu ouais autrefois la police ou bien l'armée d'Haïti, yo gen pour mener une série d'opérations en y font ti déplacer faire 2-3 heures temps 4 temps et puis yo gen retourner et puis soit yo victime 2-3 nan policier ou bien pas qu'on est si c'est militaire qui ta victime. Mais je dis à moi que si une opération qu'a fait faut une préparation qui fait, si son opération qui capable fait, si son en semaine, si son mois pour le faire, c'est 2 mois jusqu'à ce que yo joignent un résultat par rapport à ces zones côté que bandi yo prend en otage. Nous croyons que ces résultats ça yo nous besoin, donc nous pas courir dit rapidement pendant yo vini dans 2-3 jours faut gagner mener opération, faut chercher comprendre réalité terrain qui gens bandi yo positionner localiser yo de conseil avec état major la police en état major l'armée d'Haïti pour que yo même yo définir un bon plan de sécurité pour mener opération pour capable porter des résultats pour capable joindre une satisfaction dans ça que nous même la confronter dans question insécurité. Maman de ça et Soso Dumé dans je n'ai pas dit 25 ans. Les que premier tranche officier Kenya est arrivé, KPM Gary Koni, dans question journaliste posé, li te sous question et Powell Barbecue te dit que li mande dialogue et li besoin pour dialoguer tout bagay sa yo, et PM Koni te répond journaliste pour te dit que bandi yo pour déposer les armes et reconnaître autorité de l'État et après ça l'État connaît ça l'affaire. Est-ce que ou même pour que c'est déposer les armes pour bandi yo après ça l'État t'a négocié avec yo, t'a parlé avec yo, parce que il y a des monde qui trouvait que question déposer les armes pour bandi yo c'est comme quoi t'a voulu entrer dans cadre négociation ou dis-moi est-ce que c'est comme si m'a dit que c'est entrer dans cadre amnistie sorti dans ça et comment comprendre et déclaration PM non. Bon, nous-mêmes, nous croyons que nous pas pas essayer condamner ou bien prendre une déclaration ça à contre-pied. Même penser tout déclaration que l'I fait son déclaration qui gagne sens libre par le fait que rapidement si nous est capable de groupe armé ça yo rend yo compte yo te fait population c'est de tout kounya là y a demandé pour yo rentrer dans cadre de dialogue pour connaître qui gens yo même yo t'a déposé les armes en tant que autorité, en tant que yon chef de capable dire gouvernement lui-même n'est pas gain pour lire rapidement pour montrer que solution c'est essayer n'est capable dire essayer et affronter ou bien tuer et bandit ça groupe armé ça parce que de toute façon c'est haïtien oui. Mais à côté de ça nous croyons que dans même déclaration en grand sorte de diplomatie gain des noms dit tout c'est sûr que gain des bagarre PM dans lui-même il va pas le dire mais gain des instructions qui gain pour passer pour que force de l'ordre eux-mêmes yo prend responsabilité yo. Donc je dis à là c'est pas monsieur qui pour dire qui ça qui doit venir ou bien qui décision doit prendre qui pour aller dans intérêt yo parce que là yo t'a fait action ça yo côté que yo t'a tué population yo t'a violé moun et on capable dire tifi et yo t'a violé mesdames yo donc faut que yo te rende compte que ça yo t'a fait c'est société a yo t'a mettre dans situation difficile si je dis à là à partir des massacres qu'a fait pour que je dis à nous joindre une satisfaction. Et c'est là, c'est à partir de ça que le gouvernement ou bien l'État haïtien lui-même pour faire population en justice par rapport avec toute dérive, tout dégât que bandit ça au même été fait sous population. Donc nous croyons que je dis à la nous-mêmes et nous croyons que c'est pas PM dans lui-même qui pourra définir ou bien
est-ce que qui sont pour le bail bandi lui revient avec l'état haïtien avec la justice qui pour essayer un contrôle bandi à travers force de l'ordre et puis pour juger peine pour juger condamner selon ça eux même ont fait sous population en avance des Ivenes. Très bien, Dimé Sanson, en tant que responsable, en tant que syndicaliste, je crois que secteur que wap défend population, wap défend peuple, wap défend chauffeur, wap défend propriétaire, wap défend tout, même passager. Depuis yon bon bout de temps, secteur ça, qu'on est des situations qui sont extrêmement difficiles. Sorti février, pour arriver jeudi, est-ce que Dimé Sanson a partagé avec Zami Internautio, qui ça qu'elle gagne comme données, bon côté propriétaire et chauffeur et passager de ça qu'elle connaît face avec insécurité généralisée qui gagne dans le pays? Bon, pratiquement, nous sommes capables de dire secteur et transport sont secteurs qui sont à genoux. Et si nous ne pas dire que ce n'est pas le principal secteur qui. Bon, nous même capables de dire que c'est nos principales victimes, qui sont victimes par rapport avec tout secteur. Pas oublier que le secteur transversal, c'est ça lié. Une fois qu'il